Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash du 26 juillet. On démarre avec l'info du jour. C'est l'AS Saint-Etienne qui s'est officiellement positionné pour recruter Geraldo Wendel. Le milieu de terrain brésilien est sous contrat avec Bordeaux jusqu'en juin 2012. Le président Jean-Louis Triaud a déclaré que Saint-Etienne a proposé pour l'instant des joueurs en échange, mais nous ne sommes pas intéressés. Affaire à suivre. On revient maintenant sur la Copa Bayona qui s'est achevée samedi dernier et les Girondins de Bordeaux ont terminé à la 3e place de cette nouvelle compétition en battant le Betis Séville 2-0, but de Wendel justement et de Grégory Sertic. Je vous propose de voir les meilleurs moments de cette rencontre. Voilà pour les buts de ce Bordeaux-Bétis-Séville. Je vous propose à présent d'écouter Francis Gillot. Le nouvel entraîneur des Girondins a bien voulu nous accorder une longue interview qui sera le fil rouge de cette semaine. Le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux évoque le groupe bordelais et ses premières impressions depuis la reprise. Bonne, très très bonne d'ailleurs. On était très très bien accueillis en compagnie de mes deux adjoints. On était accueillis chaleureusement, on était très vite mis dans le milieu avec des personnes qu'on ne connaissait pas, mais qui nous ont accueillis d'une façon extraordinaire. Donc on essaie de rendre ça au quotidien, puisque ça fait que 15 jours qu'on est là, mais on a l'impression de connaître tout le monde depuis déjà deux longs mois. C'est hyper positif. Vous avez pris vos marques assez facilement. Ouais, on a eu un bon feeling. Bon, j'ai deux adjoints qui sont très conviviaux, qui arrivent à mettre une bonne ambiance. Et au quotidien, ça se passe très très bien avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, le plus dur, c'est sur la durée. Mais moi, je me fais pas de soucis. Je connais bien les personnes avec qui je suis venu. Et j'ai l'impression que les personnes ici sont très avenantes et je pense qu'on va faire du bon travail. On a bien travaillé, on a fait 3 entraînements par jour. On était dans de bonnes conditions puisque l'hôtel était bien pour nous, au bord de la mer. On avait à disposition une salle de muscu, on avait deux terrains pour s'entraîner le matin et l'après-midi. Non, ça s'est très très bien passé. On a eu un ou deux blessés malheureusement, comme Floyd Ayité. Mais dans l'ensemble, sur tout ce qui s'est passé, c'est plutôt positif. J'ai trouvé des joueurs très professionnels, des joueurs qui s'investissent, qui font le travail. J'espère qu'en dehors, ils le font aussi. Parce qu'en tout cas, tout ce qui est fait ici à l'intérieur du Hayan, c'est bien fait. Donc c'est important aussi de bien travailler sur le terrain, mais c'est aussi important c'est ce que je leur ai dit, de bien se préparer en dehors, de vivre et d'avoir une hygiène de vie compatible avec le haut niveau. Donc je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont revanchards, qui ont envie de faire une bonne saison. Donc
on va essayer de s'appuyer là-dessus. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se quitte avec ces images des Girondins de Bordeaux qui ont pris la route ce matin direction la Bretagne et le stage de préparation à Arzon. Restez avec nous, les programmes continuent sur Girondins TV.